Observation des élections, des observateurs indépendants et neutres. La mission d'observation électorale de l'Union européenne, ainsi que les 94 observateurs venus des différents États membres, ont été présentés aujourd'hui à l'hôtel Ibis en Kourandjam. La décision de déployer une mission d'observation électorale a été prise à la suite des invitations du gouvernement de transition d'Union nationale malgache et de la commission électorale indépendante pour la transition. Cette mission opérera de manière indépendante et neutre. Installée le 25 septembre à Antananarivo, la mission d'observation électorale de l'Union européenne, ou MOEUE, observe l'élection présidentielle prévue le 25 octobre prochain, ainsi que l'élection législative du 20 décembre prochain. La mission reste présente jusqu'au terme du processus électoral. Les 94 observateurs de la MOEUE seront déployés pour couvrir les 22 régions administratives de Madagascar. Quelques jours avant le scrutin, la mission sera renforcée par un dispositif de 50 observateurs. Basée à Antananarivo, l'équipe d'encadrement est composée de 8 experts, incluant un chef observateur adjoint, 4 analystes qui traiteront des questions électorales, juridiques, politiques, ainsi que des médias, un analyste en charge de l'observation et 2 coordinateurs des observateurs. La mission sera renforcée lors du scrutin par des représentants de la délégation de l'Union européenne et des diplomates des États membres postés à Antananarivo.